va rentrer dans une période différente, avec des matchs en jeu, des matchs de compétition officielle. Là, elles savent vraiment de ce que j'attends d'elles. Savoir celles qui vont se révéler, quand il va y avoir peut-être des moments des coups durs, bien sûr, les leaders. Mais en tout cas, je sens un groupe avec une forte cohésion. Et il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Maintenant, le terrain va tout dicter derrière. L'extérieur, c'est bien, mais après, sur le terrain, c'est là où on est jugé. Quand on parle d'exigence, c'est une simple passe, un simple contrôle. Faire gagner du temps à sa partenaire, la simplicité dans le jeu. Voilà, pour parler de l'aspect vraiment purement sportif. Donc l'exigence, en fait, elle est quotidienne. Dans l'envie d'aller toujours plus haut, de ne pas se contenter de ce qu'on a, quoi. Comme je leur dis régulièrement, on progresse à tout âge. Et même quand vous avez 31, 32 ans. Et c'est là où vous êtes quelquefois le plus fort. Je l'ai déjà répété suffisamment, quand vous n'avez rien gagné, travaillez, préparez-vous et puis on verra ce qui va bien se passer. Moi, j'ai confiance au groupe. Je sais qu'on est capable de réaliser de belles choses. Même si aujourd'hui, on est troisième nation mondiale, mais je peux vous assurer que tout le monde sera à fond lors de l'Euro et que ça va être une vraie bataille, quoi. J'ai du respect pour les trois nations et pas que l'Islande, quoi. L'Islande, la Suisse et l'Autriche. Pour prendre l'exemple de la Suisse, ce groupe-là a une grande entraîneur à leur tête qui a beaucoup d'expérience. Et donc moi, je me méfie vraiment de tout le monde. Vous savez, le plus dur, quelque part, c'est toujours de rentrer dans un tournoi. Après, au fur et à mesure, les matchs vont passer, on retrouvera aussi du rythme et de la fraîcheur. Parce que l'idée, c'est vraiment avoir de la fraîcheur.